Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais te présenter le résumé du livre Rêve amer écrit par Marie Scondé. C'est parti, je te laisse avec le résumé. Rosemée était une jeune fille de 13 ans qui vivait au village de Limbé. Il y eut là-bas une grande famine et plusieurs animaux moururent de soif. Alors ses parents prirent la décision de l'envoyer dans la ville de Port-au-Prince où la misère était moins présente et où une dame du nom de Madame Zéphir s'occuperait d'elle. D'autres enfants partaient aussi pour pouvoir s'échapper de la famine et aider leurs parents qui avaient besoin d'argent et de nourriture. En allant prendre le bus pour partir à Port-au-Prince, Rosemée se trouvait à côté d'une jeune fille de son âge, appelée Lisa, qui discutait avec elle pendant le trajet. En étant chez Madame Zéphir, Rosemée ne se sentait pas très heureuse car elle était maltraitée et mal nourrie. Madame Zéphir était une couturière qui vendait ses robes aux femmes les plus élégantes et sophistiquées. Rosemée l'aidait la plus grande partie du temps à faire des allers-retours pour donner les vêtements aux clientes et à récupérer l'argent. Un jour, elle devait ramener des robes de demoiselle à une femme très généreuse nommée Léogane. Quand elle lui remit les robes, la femme lui donna l'enveloppe avec l'argent pour Zéphir, mais quand Rosemée repartait de chez Léogane, elle voyait un petit groupe d'enfants au loin jouant à la plage et ne put s'empêcher de les rejoindre. Après s'être amusée, elle se rendit compte soudainement qu'elle avait perdu l'enveloppe et la chercha désespérément sans jamais la retrouver. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle ne pourrait plus revenir chez Madame Zéphir par peur d'être maltraitée de nouveau. Elle resta alors seule, dehors, alors que la nuit s'approchait. Pourra-t-elle trouver un abri? Survivra-t-elle? Arrivera-t-elle à être enfin libre? Fin. Voilà, c'est la fin du résumé de Rêve amer. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et si tu souhaites acheter le livre pour découvrir l'histoire en détail, tu trouveras le lien dans le descriptif de la vidéo. À bientôt!